Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je vous en ai fait un en reel slash short que je vous remets en barre d'infos. J'étais tombée sur la triple X de Martine Cosmétique. Et là, on va donc tout de suite procéder au tirage au sort de la suivante. Et la baroque de Colourpop. Ok. Donc, c'est celle-ci. Je l'aime beaucoup. Je fais très souvent le même make-up. Donc, je vais essayer de faire un peu quelque chose de différent. Je vous remets le swatch and make-up en barre d'infos. Et je me rapproche. Et on attaque tout de suite un petit make-up. Alors, vu que j'ai pas poudré mon arcade sourcilière, je vais faire avec celui-ci. Voilà, on va poudrer l'arcade sourcilière en gris clair. Écoutez, tant qu'à faire. Donc, je fais tout le tour de ma base, en fait, hein, pour flouter le bord de la base. Alors, je vais garder le même pinceau et je vais prendre le stunner ici en dessous. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci. Je mets ça dans mon coin externe et en ratil externe. Ouais, je crois que je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci de la palette. Enfin, c'est pas celui que j'utilise le plus, en tout cas, quand j'utilise cette palette-là. Voilà, on viendra faire le travail d'estompe après. Je prends un pinceau plat. Je vais peut-être prendre un peu plus précis quand même. Et je prends le Lunch, qui est plus prune aubergine foncée. Que je mets sur le reste de ma paupière. J'aurais pu prendre un peu plus large quand même. Donc je mets sur le reste de ma paupière et sur le reste de mon ratier aussi. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus large qu'on mime. Hein. Alors je reprends mon premier pinceau pour dégrader correctement déjà le bord. Je l'essuie et je reprends le gris clair pour continuer de dégrader. Alors, au doigt, je vais prendre celui-ci qui est le Secret. Et je le mets sur toute ma paupière. On déborde dans le coin externe. Toujours au doigt, je vais prendre le Noble ici. Qui est un peu plus. C'est sûr qu'il y a du chrome. Que je mets au centre. Je repasse un petit peu de l'autre par-dessus pour remettre des paillettes parce qu'on ne voit plus les paillettes. En coin interne, je vais donc mettre celui-ci, le, je sais pas lire. Moi, il y a beaucoup de teintes chez moi que c'est des je sais pas lire. Mais voilà, on en a fini pour les fards. Donc, coup d'estompeur propre. Je vais faire un trait de liner, mascara, rouge à lèvres, fioriture, tout ça, et je viens vous remontrer ce que ça donne. Donc voilà le look final avec la baroque de Colourpop. Je me suis foutu une paillette dans l'œil. Ah, ça pique. Alors, en paillette justement, j'ai mis le bleu comme ça de chez Shiglam qui est la teinte Turn It Up. Je n'avais pas encore testé, je viens de les recevoir il n'y a pas très longtemps. Et elles sont très belles. Voilà. Après, c'est un embout silicone, donc je vous conseille vraiment de ne pas essorer l'embout, justement, pour appliquer le max de paillettes.
J'ai mis des petits Stempel étoiles, mais des violettes foncées prunes, pour rappeler un peu les mêmes teintes. En muqueuse, j'ai mis le crayon LSD de Urban Decay et sur les lèvres, le Scorpio de Jeffree Star. Je suis au bout du bout là. Je pense qu'encore une fois, voire peut-être deux, et après il est décédé. Paix à son âme. Et ça me pique mon yeux. Je vais plus ressembler à rien après. Donc voilà, petite palette que j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez comme moi le dark, elle est un peu faite pour vous. Parce que si vous n'aimez pas le dark, il n'y a que celui-là qui peut vous intéresser. Et celui-là, et encore, il est foncé, hein, même pour le coin interne. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Colourpop, c'est une valeur sûre de toute façon. Rapport qualité-prix, c'est très bien. Maintenant, le seul problème, c'est les frais de douane. Enfin, les frais de douane en Belgique. Hein. En France, ils sont anticipés. Donc, vous savez à quoi vous en tenir. En Belgique, ce n'est pas le cas. Heureusement, moi, je peux faire livrer chez mon frère qui habite à 900 mètres de chez moi, mais côté français. Donc, ça m'arrange quand je veux commander. Après, je trouve qu'ils sortent énormément de collections et que c'est toujours très redondant. Voilà, ils innovent pas trop trop. Vraiment, la dernière collection qui m'a transporté, c'est la Harry Potter, parce que c'est Harry Potter, parce que les teintes sont pas waouh. Mais voilà, collectionniste aigu, fan de Harry Potter, obligé. Donc j'attends vraiment qu'il y ait des collections comme ça sur des thèmes qui me plaisent pour craquer, ou vraiment des innovations comme la Troublemaker, que je vous remets en barre d'infos et dans le petit i. J'ai beaucoup craqué dessus parce que c'était des teintes que j'aimais beaucoup, froides, un peu dark comme ça, et qui avaient du multichrome dedans. Maintenant, il y a un ou deux multichromes, hein, c'est pas non plus un truc waouh. Mais j'aime toujours autant cette marque. Voilà, je suis jamais déçue. Peu importe la palette que je teste, je suis jamais déçue de la qualité. Peut-être parfois des teintes, mais ça, je le sais avant de l'acheter. Franchement, ouais, mon plus gros coup de cœur, ça reste la Fade Into Ooh. Dans les petites comme ça, ben, la bébé Yoda, bien évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petites palettes. Et je commence à en avoir une sacrée collection. Bon, il n'y a pas que des Colourpop, hein, mais je commence à en avoir une sacrée collection. Et je les aime toujours autant. Voilà, donc là, ce qui conclut une palette, un make-up. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai remis toutes mes palettes dans mon programme de tirage au sort pour pouvoir vous les refaire. Parce que ça me manquait et j'aime bien réutiliser d'anciennes palettes. Ben, déjà pour moi et pour vous, parce que ben, du coup... Tout le monde n'achète pas autant de palettes que moi, hein, puisque tout mon meuble ici derrière, le premier étage, c'est que des palettes. Tout le monde n'en achète pas autant que moi, donc comme ça vous donne des idées de make-up avec votre palette si jamais vous n'avez pas encore pensé à faire ce make-up-là. Voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça monte légèrement, doucement, mais sûrement, comme d'habitude chez moi, ça monte très doucement. Mais on se rapproche quand même des 5000, donc je vais pouvoir commencer à trier un peu mon gros colis que j'ai préparé pour le concours. Voilà, et trier un peu ce que je vous mets pour pas vous mettre trop de pièces identiques. Surtout qu'en parallèle, je prépare aussi le concours des 11 ans, hein, cet été. Donc voilà, et puis celui de Noël, fin d'année. Donc j'espère pouvoir lancer le concours des 5000 très bientôt. Donc n'hésitez pas à partager. Il faut partager. Soyez dans le partage, les gens. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.